Une photo qui a particulièrement ému les internautes. Lundi 28 novembre 2022, Joy Esther annonçait sur Instagram avoir donné naissance à son premier enfant. Quelques jours plus tard, c'est vendredi 9 décembre 2022 que l'actrice a partagé une première photo en noir et blanc de la main de son bébé. En légende, celle-ci a écrit « Ma fille de l'hiver ». Dans la section des internautes, les fans ont été nombreux à réagir. On peut ainsi lire « Félicitations et bienvenue à cette petite merveille, profite de ces moments. J'espère qu'elle ressemblera à sa maman. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Doux câlin à la petite princesse et bisous à vous ». Quelques semaines plus tôt, l'actrice révélée dans Nos chers voisins, sur TF1 avait confié dans les colonnes de Magic Maman, « J'ai toujours voulu avoir au moins un enfant. Là, ça faisait un an qu'avec mon copain, nous essayions. » Pourtant, le jour où j'ai vu mon test de grossesse positif, ça a été un choc. Même si je souhaitais cette grossesse, ça a été un véritable bouleversement. Personne ne nous prépare à ça, et ce choc-là a bien duré pour moi, j'étais tellement malade. L'actrice a par ailleurs eu un début de grossesse difficile. C'est une sacrée expérience, la grossesse. J'ai eu 3 premiers mois horribles, avec des nausées, des vomissements, un sentiment de dépression. On ne prévient pas assez. La grossesse est éprouvante, on passe par tellement d'émotions. Avait-elle partagé. Ayant longtemps gardé cette grossesse pour elle, la compagne d'Andrea Condorelli avait révélé, on a attendu pour le dire à nos familles, nous souhaitions garder la nouvelle pour nous. À mon âge, plus ou moins consciemment, on se demande toujours si l'NY a pas un petit risque, donc on se dit qu'il vaut mieux attendre un. Nos proches sont aux anges. De mon côté, je suis la petite dernière, donc je reste le bébé de la famille, imaginez un peu le accent aigu motion. Joy Esther, comment a-t-elle découvert qu'elle attendait une fille? En septembre dernier, pour Magic Maman, l'actrice avait révélé attendre une petite fille. Une réelle surprise pour celle-ci, qui avait déclaré « Je m'étais toujours imaginé avec un petit garçon, je ne sais pas pourquoi. D'autant que dans ma famille, il n'y a que des filles, et idem du côté de mon chéri. Lui, il voulait un petit mec, peut-être pour une raison de transmission, à l'italienne quoi. » Avec émotion, Joy Esther s'était rappelée, une de mes meilleures amies, Lisa Pastor, est devenue spécialiste de l'échographie et s'est repéré le sexe du bébé à l'échographie en un coup d'œil. J'ai donc appliqué sa fameuse technique, un truc du genre si les traits de mesure sont parallèles, c'est une fille. S'ils se croisent, c'est un garçon. Ce jour-là, j'ai vu que c'était une fille, mais le gynécologue ne voulait pas le dire avant 3 semaines, afin d'être sûr. En attendant ce nouveau rendez-vous, j'ai dit à mon mec « Prépare-toi, ça va être une fille ». Quand on nous l'a confirmé, on était sourire aux lèvres, oui, on savait.